seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Mon rêve était trop beau. Dès qu'il s'achève, partira. Le temps passe, vous dites, déjà 35 ans pour Hélène de Rock Voisine. En fait, ça fera 35 ans en 2024. Et Christine, il a annoncé une tournée anniversaire d'envergure qu'il amorce en mars. Oui, parce que Hélène, c'est ce qui a catapulté Rock Voisine au statut de mégastar, presque en claquant des doigts, finalement, au Québec, oui, mais en Europe également. Et c'est donc là qu'il va présenter cette tournée qui commence au mois de mars, Hélène 35, à Québec, à Montréal, à Ottawa, à Trois-Rivières et en Europe aussi. Un spectacle d'envergure pour se rappeler de cette époque vraiment particulière où Rock Voisine, est devenue une icône. Et il faut dire qu'il y a une relation amour-haine avec la chanson Hélène, parce qu'elle a été très importante dans sa carrière, mais à quelques moments, il aurait voulu s'en débarrasser. Tu sortais un album par année, puis là tu vas arriver avec des nouvelles chansons, puis là, ben là, les gens, ils veulent juste entendre Hélène, puis entendre parler d'Hélène, parce que c'était tellement le fun, puis ça, fait que là, commençait à faire de l'ombre un peu à tout mon nouveau matériel, à un point tel où j'interdisais aux gens de m'en parler, puis de la faire, même de la faire jouer quand j'étais en entrevue. Ça va faire 35 ans, c'est quand même, ça passe vite. Fait qu'on veut se faire, on veut triper, là. T'sais, on fait triper le monde, on veut leur rappeler comment c'était. Donc, on monte un gros show. Et j'ai demandé justement à des gens sur la rue aujourd'hui ce que ça évoquait, Hélène et Rock Voisine, pour eux. Une chanson bien connue. Ouais. Oui. Est-ce que vous avez un souvenir de cette époque-là? Malheureusement, oui. Ça me rappelle des souvenirs dans le temps. On chantait ça souvent, mais maintenant, on l'entend un petit peu moins, là. Ça fait 35 ans. Bon, quand ça a apparu, j'étais encore petite, hein? Mais ça me rappelle en fait un souvenir avec mon ex-petite amie. Le souvenir à l'époque où je travaillais avec Robert Charlebois comme musicien. Fait que j'avais croisé Rock Voisine à l'émission de René Simard. Et les billets pour cette tournée Souvenir Hélène 35 sont en vente déjà sur rockvoisine.com. Je vous le rappelle, ça commence au mois de mars. Christine, merci. Plaisir.